Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 6, chapitre 2, quête numéro 5. Je galère de ouf sur cette ligne, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, vous verrez. C'est au moins le cinquième essai que j'ai, au moins 6 ou 7, je sais même pas. Je sais même pas, mais au moins je vais pas très loin, hein, c'est l'avantage. Je vais pas très loin, je vais principalement contre ce Drax, qui est une pure horreur. Étant donné qu'avec cette... on se dit, Drax, c'est nul. Et pourtant, il a que tout ou rien, il a pas de borne, enfin, il a tout ou rien et pouvoir améliorer. Pas si dur. Mais le problème est que, déjà, il est passif. Il est passif de ouf, c'est trop chiant. Je pète un câble, il est trop chiant. Et en plus de ça, le problème, c'est que notre poteau Drax, pour lui enlever ses charges, c'est archi dur. Ah ouais, en plus, il est archi passif, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable, vraiment. Insupportable, vraiment. C'est ouais, le sixième ou le septième passage que je fais dessus, il est insupportable. Le problème, c'est là. Bon, là, ça va, j'ai réussi à lui enlever. On en regagne une. Allez. Donc là, on va pas faire de spé. L'erreur serait de faire un spé. Mais faut pas que j'en fasse. Allez, là ça tue normalement. Il a pas encore donné le cinquième. Ça tue. Ah, c'est bon. Okay. Pour une fois, j'ai pas subi beaucoup de dégâts contre ce Drax. Le problème, c'est après. C'est le Ultron. C'est que la deuxième fois, que je passe ce Drax. Bon, il y a des fois où j'aurais pu le passer, mais en vrai, je quittais avant parce que ça servait à rien, je perdais beaucoup trop de vie. Du coup, ce Ultron, le problème de ce Ultron, vous allez me dire, bon, Ultron, il a aspect de la guerre, c'est le problème. Aspect de la guerre, et en plus de ça, il a récupération. Avec Ghost, ça peut passer, hein, ça peut passer, je vais pas vous dire le contraire. Le problème est que, bah, il a ses évasions, il a ses trucs, quoi. Allez. Donc là, il y a l'aspect de la guerre. Du coup, pendant tout l'aspect de la guerre, on est condamné. Donc là, on va vraiment essayer juste de spammer de cette façon. Voilà. Donc là, on est bon. Ok, super. Ah putain, on va perdre 2 prouesses, c'est chiant. Là, ça va être chaud. Non, j'ai tenté. Ah, j'ai tenté, c'est chaud. Bon, l'avantage, c'est qu'on a perdu notre combo. Donc, au final, on a perdu 20%. Mais au final, on perd notre combo. Du coup, on était à 4 coups. 3 coups. 3 coups. Je voulais mettre hors garde parce que j'étais à 3 coups. Je me suis dit, bon, si le premier, j'avais encore la pression directe, si le premier, j'arrive à le mettre hors garde, ça le tue. Ça lui enlève ses 4 derniers pourcents. Ça a tapé dans la garde. Du coup, ça n'a pas fait grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça va. Ça va. Là, normalement, après, les combats sont plus faciles. Donc là, on a un Venom the Duck. Un Venom the Duck qui, normalement, est quand même relativement plus facile, disons, que le Drax et que le Ultron. Il y a, je sais même plus, je crois qu'il y a un ou deux trucs compliqués un peu, enfin, où il y a deux, trois trucs un peu chiants, mais sinon, ça va, c'est faisable. Donc là, le but va être de monter un maximum de charges. On va le mettre, lui, un maximum. On va le mettre un maximum en SP1. Voilà. On le met en maximum en SP1, nous on spam.
Hop, allez, deuxième spé, comme ça on garde nos trois prouesses, enfin nos trois cruautés. Allez, parfait ça. Alors là, il va falloir qu'on fasse gaffe, parce que là, on va gagner bientôt une autre. Oh non! Pourquoi ça lui a pas enlevé? J'étais qu'à 43. Attends, j'étais qu'à 43, ça lui a pas enlevé. Oh bordel! Oh merde! Je perds des vies bêtement, là. Je perds des vies bêtement, mais je pense pas que ce soit de mon fait, parce que là, pour le coup, je comprends pas trop pourquoi il les a pris, les dégâts. Ah oui, là, il est biorisque. Faut que je fasse gaffe. Il y a biorisque et compétences améliorées. Donc là, ça va être un coup par un coup, hein. Clairement. Ça va être carrément un coup par un coup. Ça peut être très rapide, comme ça peut... Enfin, ça peut être très rapide dans les deux sens, hein. Non, faut pas faire ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Pourquoi, Léo? Pourquoi? Pourquoi tu fais ton spé? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi je fais mon spé? Y a aucun intérêt à faire mon spé contre un biorisque. Y a aucun intérêt à part subir des dégâts. Si, il faut faire le spé 3. Ça n'a aucun intérêt de mettre autre chose que le spé 3. Aucun. À part subir des dégâts. Subir des dégâts est bête en plus. Allez. Allez. Oh, il est fatigant. Il est fatigant, ce Rodan. À pas venir dans vos trucs. Ouais, non, mais j'ai fait n'importe quoi. Autant le combat d'avant, le fait que je perde pas la borne, ça, je trouve ça assez bizarre que je perde pas le... Ouais, faut vraiment forcer, quoi, que ça soit vraiment au tout début du truc, quoi. C'est abusé. C'est une blague. Yes. J'étais obligé de faire ça, sinon l'interception m'aurait coûté des dégâts. Bon, là, pour le coup, le combat d'avant, je comprends pas trop pourquoi la charge est pas partie. Bon, après, j'aurais pu ne pas lancer mon spé, mais bon, je pensais vraiment que le truc était lancé, donc, enfin, voilà. Par contre, là, c'est de ma faute, pour le coup. Là, le biorisque, je dois jamais lancer mon spé. Clairement, jamais, hein. Donc là, carrément, c'est de ma faute, il n'y a aucun souci. Donc agressivité, agression furie, imi, étourdissement. Donc encore une fois avec Ghost. Hein. De toute façon, là, toute la ligne se fait avec Ghost. Hein. Torche humaine, j'ai pris vraiment au cas où. Mais bah, en fait, le truc, c'est ce que j'aimerais bien faire, c'est en fait emmener Ghost. Et si je meurs avec Ghost, emmener torche humaine ensuite. C'est dommage. Bon, par contre, j'ai le bonus de classe, ça, c'est beau. Oh non, 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 mais qu'est-ce que je fais? Non! Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. À part subir 20% direct sans rien faire. Décidément. Ah oui, il y a le Docteur Strange aussi. Docteur Strange, ça va être folklore aussi, ça. Ça va être incroyable. Bon, Morningstar, normalement, ça devrait le faire. Normalement. Ouais, encore une fois. Là, c'est de ma faute, encore une fois. Hein, jamais je dois faire le SP2. Jamais. En fait, le truc, c'est que je me dis, vas-y, il faut pas que t'ailles en SP3, sinon t'enlèveras rien et tout. C'est bête, hein. C'est totalement bête, ce raisonnement. C'est totalement idiot, mais... Bon, par contre, elle est passive, hein. Elle vient vraiment à la toute fin de ma démat à chaque fois. Allez. Allez. Oh. Pff, elle est passive aussi, elle. Hein.
Je sais pas combien de démats elle a évité depuis le début, mais c'est insupportable. J'ai eu de la chance là, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Franchement, je crois que la moitié des démats, sans déconner, elle est venue soit à la toute fin, soit pas du tout. C'est insupportable. Vraiment, il n'y a rien de plus insupportable. Bon, le Docteur Strange. Docteur Strange, ça va être compliqué. Il est en gain de pouvoir amélioré, enfin tout, quoi. Agression furie, compétence améliorée. On a la synergie de Wood pour ça. Donc, elle était pour Drax, déjà, pour Mordo, mais également pour ce Docteur Strange. Donc, c'est pas tout ou rien, hein, donc... Oh. Oh. Ok, bon bah on va rien. On va réa, ouais, non, là le Docteur Strange, il m'a fait un truc chelou. Il m'a fait un truc chelou là. Non, il m'a fait un truc chelou. C'était chiant. C'était chiant, c'est pas grave. En vrai, je me dis. Avec Torche Humaine, ça passerait pas. En vrai, ça peut le déglinguer, hein. On va passer, on va tenter, on va tenter, au pire c'est pas grave, ça nous fera une réa de plus, c'est pas grave, on va le tenter. Allez, oh là là, le insupportable le gars, ouais du coup Agression Fury va me déglinguer. Me déglinguer. Putain, il y avait les charges. Ouais, c'est pas grave. Ah, bah oui, mais oui, si. Bah si, c'est grave, parce que du coup, je vais perdre la précision de compétence avec Ghost. Ouais, j'ai pas fait gaffe du tout à ça, mais je vous avoue qu'on peut pas... Non, c'est pas possible de faire gaffe, quand même, non. Ouais, non, c'était pas une bonne stratégie, j'aurais dû, en fait, ouais, je suis con, j'aurais dû y aller avec Ghost direct. Bon, bah, on va mettre 2 réa dans l'histoire minimum. Ouais, non, là, c'était pas la bonne... C'était pas la bonne solution, mais au final, même avec Ghost, je sais même pas contre lui si on peut vraiment gérer les trucs, parce qu'au final, il faut quand même qu'on l'intercepte, et dans le délire... L'intercepter lui. Pas trop fan, non. Pas trop fan du délire. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. De toute façon, c'est une quête compliquée, hein, quoi qu'il arrive. Hein, cette quête 5, la bande globale est chiante, hein, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, si on met que 2-3 réa à chaque passage, ça va me permettre de faire le 100% plutôt facilement. Donc lui, il est immu étourdissement. Je sais plus ce qu'il a d'autre. Mais bon, on va faire gaffe. Ah oui, la vigueur, exact. Il a vigueur, c'est vrai. Bon, vigueur devrait pas nous embêter trop. Parfait. Comme ça, on garde tous nos trucs. Fasse gaffe quand même. Parfait. Ok, on est contre Mordo. Je vais réa Torche Humaine. On va remettre peut-être un petit peu de vie à Ghost. Et encore. Et encore, je sais même pas si ça a un énorme intérêt. Je sais pas si ça a un énorme intérêt de lui remettre des vies. Je sais pas. Alors, on va voir. Est-ce que niveau batterie, ça va 24%. Ça va, ça passe. Ah, du coup, je suis obligé de le... C'est ça qui m'énerve, avec, en fait, avec cette quête, c'est que vous êtes obligé de réa tout le monde. Même si vous n'avez pas... Enfin, gros besoin. Alors, juste... Je vais juste regarder ce qui périme, parce que je crois que j'ai des trucs qui périment. Alors, il y a peut-être des trucs déjà qui ont périmé. Bien possible. Ouais, ça a l'air d'avoir déjà périmé. Dommage. Ouais, il y a des trucs... Ok, c'est des... Ouais, c'est pas les toutes petites, c'est... Ouais.
Vous voyez que j'ai beaucoup de choses encore. Ok, ok, ok. Bon, on va en mettre un petit peu, vite fait, enfin pour assurer, quoi. Pour me laisser la possibilité de prendre des petits coups dans la garde, des petits trucs, parce que on sait jamais, hein, contre cette... contre ce Mordo, on sait jamais. Hop, on va lui remettre 2 comme ça. Et 4 comme ça. 5. Voilà, comme ça, elle est presque à 50. De toute façon, j'essaye d'en garder quand même pas mal des soins, tout simplement pour me permettre derrière d'aller avec... d'aller sur The Champion. Oula, c'est chelou, je contrôle rien ce que je fais là. Parfait, la démat était vraiment au tout début. Super. Oh merde, je suis trop con. Putain, j'ai fait 2 fois le même SP. Est-ce que la démat va me permettre de pas perdre de vie? Ah, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, je crois que je l'ai activé comme il fallait. Oh oui, parfait. Oh là, j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance là? J'ai de la chance. Bon, après, j'ai de la chance. C'est lui qui choisit de pas me faire son spé. Hein. Derrière, je suis resté en garde. Je me suis dit, vas-y. S'il faut que tu tentes un truc, c'est ça. Allez. Ouais, super. Allez. Bon, j'ai plus de cruauté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on lui fait des dégâts. On le descend. On le descend, on le descend, on le descend. C'est le maximum de ce qu'on puisse. Et de toute façon, il fallait que je fasse autre chose que ce P2. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait pas que je refasse la même connerie que j'ai fait tout à l'heure. Surtout pas. Donc là, il pourrait avoir une régène. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il peut avoir des régènes, donc il faut faire gaffe. Oh! En plus, là c'est bien. J'ai pu bien gérer ses charges. Donc, 18%. Il faut que je commence à bien gérer ses charges. Failli faire de la merde. Normalement, on est bon. C'est parfait. C'est parfait. Je me suis dit, je suis à un coup. Ça donne 3. Ça doit le tuer. Même si je devais pas faire 2 SP2 d'affilée, normalement, ça tuait. Ok, 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 bon, encore une fois, dommage que j'ai perdu Ghost. Bon, après, là, voilà, je perds Ghost contre Doctor Strange, oui, il est compliqué, quoi qu'il arrive, hein, c'est compliqué, surtout que de toute façon, je pense que même si je gérais mieux le combat contre Doctor Strange, je pense que je serais mort quand même. Alors, j'aurais peut-être dû emmener directement Torche Humaine, comme ça, j'aurais perdu que Torche Humaine, j'aurais mis juste une réa sur Torche Humaine, j'aurais gardé Ghost, peut-être. Mais, parce que Torche Humaine était condamné à mourir. Mais le problème, c'est qu'avec Ghost, je pense que j'aurais quand même, de toute façon, pas géré les charges. Parce que, disons qu'il me faisait, dès qu'il me faisait un SP1 ou SP2, dès que le SP se terminait, il avait déjà l'autre SP, en fait. Donc, de toute façon, c'était trop compliqué, en fait. Il aurait fallu que je fasse pas, en fait, que je le mette tout le temps en SP3. Ça se fait. Mais c'est compliqué, donc au niveau de ces charges, je pense que j'aurais galéré à les gérer. Donc enfin voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce passage. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, il m'en reste plus que 6 du coup sur cette quête. De toute façon, voilà, hein, on utilise à peu près 2-3 réas à chaque passage. Si on peut faire ça, après il y a peut-être des passages qui seront un peu plus compliqués, je pense, hein, presque sûr même. Mais voilà,
On est encore bien, je vais vous montrer un peu l'état des lieux, mais on est bien hein, quand même. En termes de réa, en termes de soins également, on est bien. Donc non, enfin voilà, j'ai des soins qui expirent, donc voilà, de toute façon, là il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 réa, plus les 19 que j'ai, ça me fait 34. Donc en fait, j'en gagne 2 chaque jour, j'en utilise 2 chaque jour, grosso modo c'est ça. On est très bien. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et salut.